Non, à quand ça remonte, les Kersauzan? Oh la vache! Il a décidé de se taire, hein. Il est dans un soir où... Ouais, c'est gentil à lui d'être venu, parce que... Il se tait. Ouais. On sait pas où il est, perdu quelque part entre deux vagues. Si tous ceux qui n'ont rien à dire se comportaient comme lui, il n'y aurait plus d'émissions de radio. Avec son habileté professionnelle, Bouvard vient de retourner l'opinion publique contre toi. Tu viens de te mettre le public à dos. Civilisé et cultivé comme tu l'es, mon petit garçon, je te l'ai dit bien des fois, tu te fais grand tort par une certaine impolitesse volontaire qui fait que la civilisation commande de ne pas tourner le dos aux personnes auxquelles on s'adresse. Tu remets, ta ceinture du docteur Gibault, tes pantoufles et tu la bouches. Écoute-moi une seconde. Tu n'as pas pu entrer au PTT à cause de ça. Quand l'inspecteur t'a demandé 14 et 14 et que t'as répondu mon cul... Comment veux-tu réussir? Bon, écoute. Écoute-moi, Marcel, lâches... c'est ta mère qui te parle, nom de Dieu! Tu me lâches les baskets un peu, là, tu fais ces émissions. Tu parles à ta mère correctement. T'es mis au monde, j'ai allaité au vrai lait. Je t'ai pas mis au Nestlé. Si c'est toi, ma mère. Tu m'as pompé les mamelles. Ton père et moi, nous sommes saignés aux quatre veines pour faire de toi un bachelier. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Un garçon qui a déjà coulé la moitié de sa carrière. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu apprennes à t'entremettre, trahi. Tu me lâches un peu, non? Je ne te lâcherai pas, mon petit. Une mère, je serai là jusqu'à ta tombe. Alors, amiral, un petit sourire... Mais tu ne le referas pas, chérie. Mais... Il a tout ton caractère. Excusez-moi. Il a ton caractère. Tu sais, je m'excuse. Oh, merde. Tu vois comme il est grossier, il est comme toi. Il a tes colères, il tient bien de ta famille. Mais je t'en prie, on en est fiers. Tu ne t'en es jamais occupé, tu n'es jamais à la maison. Regarde ce qu'il est devenu. À tourner le dos à nos amis. Il a eu un des bons métiers. Mais oui, mais c'est pas l'argent de poche que tu lui as donné. Il a voulu un bateau. Tu lui as acheté un bateau, il en a voulu un autre. T'as pas arrêté de lui acheter des bateaux. Même ma dot, il est passé quand il a fallu changer le grand mât. Quand je pense, tu te souviens comme il était beau le jour de sa première communion? J'avais acheté à prix unique 100 grammes de colle au poil pour lui lisser la mèche. Il était cranté, tout propre. Il faut dire que ça a été un enfant très difficile au moment de sa sexualité. Disons qu'il a mal passé son âge pubertaire. Et mais qu'il... il s'est rattrapé depuis? Mais oui, docteur, bien évidemment. Madame Martin, vous avez fait tout votre devoir. Oui. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis une mère propre et honnête. Je lui ai soigné toutes ses maladies de l'enfance, ses maladies de la puberté, ses maladies de l'adolescence. Et puis est venu un âge... Moi, je vais vous occuper celle des vieillards, moi, peinard. Veux-tu parler au docteur? Le docteur Vermorel est notre médecin de famille. Excusez le docteur. Madame Martin, je vous suis complètement sur ce terrain. Très bien, je docteur. Que vous êtes une mère vertueuse. C'est pas un docteur, ce mec a été viré de l'école vétérinaire pour inconduite. C'était un cousin de ton père, nous l'avons pris comme médecin de famille. Il y a une chose que vous avez ratée, le fait qu'à son âge, il continue à faire pipi au lit. C'est pour ça que ses bateaux coulent, il les remplit. Mon amour, lâche-leur une question, puis... On ne dit pas mon amour à son père. Si vous saviez ce que mon Olivier m'a fait le 10 mai. Il m'a voté socialiste, rien que vous m'emmerdez. Il savait que son père est d'extrême droite, parce qu'on est entre nous. Mon mari a été milicien pendant la guerre, le béret lui allait très bien. Et puis juste en 43, je lui ai dit, Marcel, prends le maquis en Savoie, on sait jamais, je sens que ça va changer. T'as vu comment ça rend la télé? Il faut faire de la radio et dodo. Sinon, tu vas être terminé comme ça. Moi, mon Patrick, j'en suis fier. On m'a fait un cadeau pour la fête des mères. Je te remercie. Il m'a acheté une concession à perpétuité au cimetière. Et justement, on voudrait que tu l'occupes tout de suite. Où sont les mots croisés, vous qui travaillez dans la Non, amiral, accordez-nous la faveur d'un moment d'attention. Mais au contraire, moi, pour que mon attention soit toute à vous, il faut que je me concentre sur autre chose.
que vous m'éblouissez. Vous pourriez faire la cour à Olga. C'est impossible. Pourquoi? Elle est au-dessus de mes moyens. Elle est peut-être chère, mais elle peut faire crédit. Oui. Vous ouvririez le crédit tout de suite. Bon, oui. Alors, il fera la prochaine transatlantique. C'est pas mal, l'échantillon. Il fera la prochaine transatlantique en double, les mecs. Je parle pas de mon métier, le guitariste, où tu te retrouves avec ton saxo au coin de la tronche, quoi. Mais ça, ça flotte. Je rends de la musique, je rends des musiciens. Pourquoi tu fais des chansons? Pour le pognon. Ah, moi aussi. Il a fait une chanson, l'amiral? Oui. Il est en train de faire des chansons. Il c'est l'a pas dit, vrai. Ça. Mais oui. Ouais, le pognon, vous avez vu les droits d'auteur, les mecs, ils touchent. Putain, tu mets chaque fois qu'il y en a qui met une pièce dans le jukebox, il touche. L'argent. Comme ça, je pourrais m'acheter mes naufrages à moi tout seul. J'aurais plus besoin d'associer pour naufrager. Et qu'est-ce que vous avez fait comme chanson? Non, il fait des chansons. Qu'est-ce qui vous inspire? Tout. À partir du moment... À ce prix-là, je peux parler de l'amour, de la détresse, du chagrin, tout. Non, vous avez fait une chanson sur quoi? Mais non, je fais des chansons, j'ai pas fait une chanson, et là, on n'est pas payé pour des chansons, on est payé pour du bavardage insipide, donc insipidons dans le bavardage. Et vous êtes chez Marouani, peut-être? Non, je suis chez Que Dalle, moi, je suis chez Pognon, fils. Et d'ailleurs, j'ai jamais mis un disque de ma vie, c'est pour... J'ai rendu de la musique et tout, mais à ce prix-là, j'en écoute. Tu mettras jamais ton nom sur les pochettes? Mais non, mais à la SACEM, oui. Ah, oui. Mais moi, je suis sûr que Kersauzon est capable de la plus grande tendresse et de la plus grande poésie. Oh, mais je suis capable de tout. Il cache ça sous une espèce de... Je cache rien, je vais dire. De ça, il cache pas grand-chose. Je montre plus souvent. Dans les couloirs. Olga, vous savez que... Non, mais continuez. Oui. Ce que j'aime dans vos yeux, c'est que très souvent, dites-lui, les regards... Dites-lui en Alexandrin. T'es jamais vu faire d'Alexandrin. Mais t'as le chose, tu m'as pas vu faire, mon coco. Fais-nous les petits Alexandrins. À Olga, non, ça c'est Mireille. Janine, Madame Mitran, non, Olga. Allez, à Olga. Olga. Quand je prononce votre nom, à la mer, je voudrais dire non. Olga, Georges Picot, vous êtes belle comme un bateau. Avec vous, j'aimerais couler, tous les deux en algues enlacées. Olga, vos yeux sont comme la mer noire, je voudrais naviguer. J'aimerais tant vous approcher. Olga, laissez-moi embarquer dans votre lit pour un voyage qui ne mène à aucun rivage, mais qui me laisse sur votre visage poser mes lèvres toutes mouillées. Si avec ça elle marche pas, merde là. Je crois que vous serez très heureuse avec Olivier. Non, oui. Je peux garantir que non. Personne ne peut être heureux avec moi. Ma femme est hyper malheureuse. Mais non. Elle a gagné un prix médaille d'or Festival de la dépression nerveuse à Vevey. Le prix interclinique. Alors, moi, je vous colle une dépression nerveuse en 10 minutes. Je vais coller autre chose. C'est vrai, Olivier? Vous avez de la chance, parce que d'habitude, quand il y a une dame... Ouais, faut voir les boudins que vous ramenez. Ouais. Ah, c'est pas des dames, c'est des restes de femmes. On voit que ça a été une femelle à une époque donnée, mais encore, c'est pas sûr. Faut voir les monstres qu'on a eus. Vous avez pas amené des... Enfin, non. On parlera de ça dans les coulisses, si vous voulez, tout à l'heure, je vais vous dire, hein. Il y a Valérie Mérès qui est très bien. Et Miss France. Ah, Miss France, vous souvenez Miss France, c'est un morceau. J'aurais bien aimé qu'elle me tripote le protocole, moi aussi. Elle était démente, cette gonzesse. Ah, intelligente, cultivée. Elle nous a fait marrer. Ah oui, ça, c'est quoi, c'est un des temps forts des grosses têtes. Ah, qu'elle était bien habillée, elle avait sa petite couronne. Et le vieux Macro qui l'accompagne. Ah oui. Pépé Louis, c'est ses rythmes. Plus une dent, des bagues à tous les doigts, un costume. Un costume fait à la Libération, puis un poil sur le caillou, tu vois. La laine au fromage et tout. Oh, la poilette. Le vrai malhonnête. Non, mais chacun dans son coin, tranquille, on fait une petite émission pénale. Il aime pas être dragué, ça lui rappelle des souvenirs de naufrage.
C'est nul, c'est nul en plus. Vous savez, nous en parlons tout le temps. C'est chaque nul. Fois que l'amiral est parmi nous, on parle de ses naufrages. Mais je voudrais tout de même fixer un point d'histoire. Le dernier remonte à quand ? À quelques années, non ? Bah, sans jamais des naufrages complets. Il est toujours là pour les raconter. Hein. Oui. Laissez parler, là. Allez-y. Non, alors, quand est-ce que j'ai naufragé ? Est-ce que j'ai naufragé une fois dans ma vie, ma petite puce ? Qui a jamais été au bord de la mer ? Qui a peur des vagues et tout, qui sait pas nager ? Ah, effectivement, on va voir si j'ai naufragé. Quand ? Non seulement il est bavard, mais il est nul en histoire maritime. Il y a eu des nul. Mais parce que vous croyez appartenir à l'histoire maritime ? Au musée de Londres, oui, j'ai un tableau avec mon bateau et moi-même. Vous avez peut-être votre photo et tablette de chocolat, mais c'est tout. Moi, au musée maritime de Londres, en Angleterre, on ne plaisante pas avec ces choses-là, monsieur. Et vous avez votre photo en Angleterre, au musée maritime c'est de Londres ? C'est pas une photo, une peinture. Une peinture, vos représentants ? Oui, et je suis sur un timbre de la Centrafrique, parce qu'il n'y a pas de bord de mer là-bas. C'est un sujet inépuisable, hein, cela dit. Oui. Mais non, mais effectivement, à partir du moment où il y a mensonge, forfaiture, invention malsaine et tout, il est certain que Philippe peut briller. Mais donnez-moi seulement une date de naufrage. Je ne me souviens même pas avoir naufragé, moi. Mes sauveteurs, si. Mais moi, j'ai oublié, moi. Vous voudriez pas faire une... Non, parce que j'ai déjà reçu des verres d'eau dans la figure. Puis là, c'est pas un verre d'eau là, qui je prend crois vrai. Que là, c'est un sujet que je préfère éviter, ça, parce que... Pas abîmer l'outil de travail. Oui, parce que là... Il le comprend très bien, et ce n'est pas une menace, n'est-ce non. pas On aime tous trop la musique pour oh là là. Cette guitare. Hein, ça serait dommage. On est tous d'accord là-dessus. Absolument. Voilà. J'ai reçu une lettre, ce qui est rare, de mes deux frères qui sont à l'avion à Paris le mois prochain. On sait donc. Je crois qu'il faudra circuler en voiture blindée. Ouais, il est tel du bar. Il va falloir baliser les mecs. Et en général, dans la famille, même si la cible est minuscule. Alors, que disent les autres Kersauzon, amiral ? Mes frères. Je suis le fragile, le délicat de la famille. Ah ben dites donc. Vos frères doivent être mousse. Enfin, messieurs, vos frères doivent être mousse. Moi, je suis le rachitique du lot, le moins intelligent et le moins fort. Alors, bonne chance. Ah ben, ça nous rassure. Bonne chance. Vous êtes combien ? 8. 8. Oui, et vous êtes, excusez-moi, Olivier, pour cette familiarité, vous êtes le petit dernier ? L'avant-dernier. Alors, donc, vous êtes, oui, sur les bateaux. Il y en a deux à la Légion étrangère. Oui. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un dans la marine. Et l'un au Boucherie Bertrand, non, on m'a dit. Non, Bernard. Bernard, pardon. C'est pas vrai, d'ailleurs. Non, j'ai un frère qui est tueur, mais c'est pour autre chose. Je l'ai rencontré, il a l'air très abattu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez une sœur ? J'ai 4 sœurs. Mais vous étiez 12 enfants ? Oui. Et qu'est-ce qu'elles font, vos sœurs ? Elles sont avec des mecs. Elles leur prennent leur pognon, peinard. Les mecs, ils amènent des bijoux. Tantôt, ils leur font un gosse. Le mec, il est content, il retourne au turbin, il se crève comme un fou. Le soir, elles chantent, elles engueulent leur bonne et tout, ils ont une belle vie. Le statu quo, quoi. Et vous, Philippe, je peux poser des questions sur votre petite famille. Vous êtes fils unique. Vous êtes fils unique ou il y en a d'autres ? On a cassé le moule. Ah oui, il n'y en a qu'un. Ils ont fait ça, ils n'ont pas décidé de ne pas recommencer après. Hein. Parce qu'après avoir eu un petit, ils n'ont pas eu envie d'avoir un grand. Mais il faut dire, vos parents ont eu beaucoup de chance. Parce que ne faire qu'un bébé, le et voir... Et qu'il soit Philippe Bouvard. Le voir comme ça, tout rose, et puis voir qu'il reste rose jusqu'à 50 ans, c'est formidable. Vos parents étaient incurieux, c'est pas possible. Non, mais ceux de Léon l'étaient. Exact. C'est pour ça que Léon est un journaliste sans tâche. Voilà. Il y a eu des Kersauzon excommuniés ? Non, je vous demande pas s'il y a eu des Bouvard avec la diarrhée au 15e. Vous me foutez la paix avec ce qu'il y a pu avoir avec les Kersauzon. Hein ? Il n'y a pas eu de Kersauzon pape. Ah non, mais il y a eu un évêque de Kersauzon, je crois. Il va y avoir un blessé chez les Bouvard. Non, mais il aime pas qu'on joue avec un nom dont il est légitimement fier, qui a été porté dès la première croisade. Déporté aussi. Déporté ensuite, ouais. Vous savez qu'il avait un ancêtre, la première croisade ? Qui s'appelait... Le premier qui a bu la tasse, s'appelait Godefroy de Bouillon. Ah oui. Oui. Non, mais j'aime bien... Et vous entendez tous parler de la mer, vous y connaissez rien. Mais vous avez vu vos tronches ? À bord de mer, même les méduses se taillent. Vous vous mettez à quatre pour faire semblant de m'allumer, et moi je sais même pas ce que vous faites. Je sais que lui, il joue au théâtre des chaussettes blanches pour les mecs du troisième âge.
Le Luron, il a un spectacle qui remonte à De Gaulle, donc ça peut faire marrer avec des mecs qui étaient nés après la guerre 14. Le Vel, il a fait une chanson il y a 8 ans, elle est distribuée pour les sous-dormeurs en méthode Braille. Hein. Bouvard, il se cache derrière les paragraphes de François, et quant à Balutin, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui, et je connaissais son chien mieux que lui. Alors, moi, effectivement... Moi, dans le domaine maritime, je suis célèbre. Mais vous êtes célèbre que dans vos domaines de saltimbanque et tout, à part mon petit Fifi qui est célèbre pour ses voitures. C'est le seul mec qui a réussi à courir à 1000 mètres à l'intérieur d'une Peugeot. Et ça sans se cogner une seule fois. La voiture de Philippe est comme le slip de Léon, un grand truc pour une petite chose. Vous m'avez ému, Léon. C'est vrai. Il est amoureux de sa femme. Ben oui, mais ça n'a pas d'importance. Gamin. Les gamins sont rarement mariés, hein. C'est vrai. Mais les gamins ne deviennent pas vieux. Les gamins restent gamins. Et puis un jour, ils s'en vont. Quel terrible moment lorsque cette femme délicate fermant les yeux du roi de l'audiovisuel. Je vois sa main de Bretonne qui est visitée sur le visage sculpté par les projecteurs. L'homme qui a bafoué toutes les tempêtes de l'audiovisuel étendu là, sur le lit qui est le dernier. Que le drap est pâle près de son visage. On dirait qu'il sourit en chlore. C'est la première fois que je vois Léon sur un carré blanc. Ben, vous allez dire que c'est la première fois que vous entendez Léon se taire. Pour tous ceux qui ont aimé Léon Zitrone, qu'il s'avance par l'allée centrale et s'en retourne par les bas-côtés. Je n'aime pas les nefs latérales. Monsieur le maire de Champignac, la patronne du bordel de la rue des Rosiers, Maxime Grémest. Tous ceux qui ont aimé cet homme, une délégation entière du KGB avec un masque. Le président de la République elle s'approche. Elle était partie sur l'océan avec Olivier. Et toi, le président. Le président de la République s'approche avec une fourchette. C'est lui qui va manger le premier morceau. Il y en aura d'autres. C'était vraiment un très, très grand homme. Je l'ai beaucoup aimé. J'espère que la postérité gardera son image. En tant que maire de Paris, c'est à moi de vous parler. Chacun son temps d'antenne. Léon Zitrone était absolument merveilleux à vous, monsieur de Ferrand. J'ai bien... Et tous les chefs d'État sont là. One guy, the smart man again, they're very good. Alors, vous l'enterrez, Léon Zitrone. Vraiment. Moi, j'aimais beaucoup Léon Zitrone, j'en reprendrai encore un petit peu. Allô. Allô, Jacques Martin, en direct depuis l'extérieur de la cathédrale de Paris, la foule est là. Muette, on leur a mis un esquimau dans la bouche. Ils attendent la sortie du cercueil de Léon Zitrone. Un enfant des écoles chrétiennes, presque un nain, Philippe Bouvard, arrive en retard avec une couronne plus grosse que lui, sur lequel il y a écrit « Dunlop ». Et nous continuons l'enterrement de Monsieur Léon Zitrone avec quelques pages de publicité. Entre... Ah, doup, 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 doup. Bien sûr, de la Léon viande. Ah, non, 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 non. Depuis que je leur donne du citrone, ils courent bien, Michel. Maintenant, le cercueil de Léon Zitrone est en train de redescendre le long de la Concorde. Poquelin présente une entreprise qui creuse un continent. Nous enterrons les gros. Monsieur Gaston de Fer, je m'excuse, je crois que vous avez très bien connu Léon Zitrone. J'ai très bien connu, nous avons mouillé nos couches ensemble. Et je vais laisser place à publicité Pampers. Monsieur le Président de la République, quelques mots sur Léon Zitrone. Eh bien... Nous avions avec... Quand je me... C'était pourtant quand... Effectivement, il y a... Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. La France. Merci. Eh bien, écoutez, n'aurais-je vécu que pour avoir mérité ça, je n'ai pas vécu. Quant à moi, l'émission spéciale, nous allons vous passer une chanson de Léon Zitrone. Ils vont tous venir pour chanter les chansons de Léon Zitrone, qui fut un grand chanteur. Ouah !
Allez où tu n'es plus là. Mais ce soir, nous sommes tous à te pleurer. Et maintenant, voici la délégation du Maghreb qui vient chanter aussi son désespoir pour la disparition de Léon Zitrone. La clé d'île, gros Léon, j'ai la pute télévision. La clé d'île, gros Léon, j'ai la pute télévision. Aïe, aïe, cosse, cosse, rache-moi les belles jobs. Aïe, aïe, cosse, cosse, rache-moi les belles jobs. Ah oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est si beau que je vous promets de mourir dans les 24 heures. En tant que représentant de Greenpeace, je me demande qui a assassiné notre dernière baleine.